Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Tous les membres de votre famille, vos voisins, vos amis, vos connaissances, tout le peuple brésilien, le président, toute la nation brésilienne et toutes les nations qui écoutent et obéissent à la parole de Dieu. Le texte que je veux vous passer, que je veux partager avec vous, se trouve dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 2. Lorsque Dieu appelle Moïse, lorsque Dieu appelle Josué, Moïse était mort et il était là, assis, en train de pleurer, de penser à la mort de Moïse. Alors Dieu, de son infinie miséricorde, a dit, « Josué, Dieu s'est présenté à Josué et lui a dit, « Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Il est mort. Ne reste pas sans rien faire. Ne reste pas là assis. Maintenant, lève-toi. Prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je donne aux enfants d'Israël, que j'ai juré à leur père de leur donner. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Il veut dire, je crois que Dieu veut dire à vous, à moi, nous tous, que cela ne sert à rien de rester en train de se morfondre sur ce qui ne peut plus être changé, de pleurer en raison d'un échec, de penser au passé triste, de penser à ce que nous avons perdu ou à ce que nous n'avons pas gagné. Dieu veut que nous regardions de l'avant. Il veut que nous allions de l'avant. Vous devez aller de l'avant. Vous ne pouvez pas rester en train d'attendre que le passé vous empêche d'aller de l'avant. Vous devez prendre des attitudes. Cela ne sert à rien de rester, de pleurer l'être le plus cher que vous avez. Cela ne va rien résoudre. Cela va-t-il le faire? Bien sûr que non. Alors vous allez faire cela. Vous allez vous lever, vous allez prendre courage, vous allez être fort. Ne regardez pas en arrière, ne restez pas en train de regarder d'un côté à l'autre. Ne restez pas en train d'écouter la voix des autres. Prenez votre décision en accord avec la parole de Dieu, en accord avec l'ordre de Dieu. Lève-toi, prends courage et va de l'avant, car je suis avec toi. Et une chose que vous ne pouvez pas oublier, savez-vous quand est-ce que nous avons la certitude que Dieu est avec nous? Lorsque nous sommes avec lui. Dieu, j'ai l'assurance que Dieu est avec moi parce que je suis avec lui. Alors, il n'est pas injuste pour que je sois avec lui et qu'il m'abandonne. Si vous êtes avec lui, il est avec vous. C'est là la certitude, le signe qu'il est avec vous, qu'il est avec moi et qu'il est avec nous tous. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.